Ah ouais. Oh, Rod, je peux la conduire. Tout, 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 tout. C'est Minecraft. Waouh. Granny Evin. Un énorme merci à tous mes soutiens. Merci du fond du cœur. Ah, c'est Max. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo complètement folle, complètement porte-nawak sur Granny. J'ai trouvé un nouveau mode complètement fou avec énormément de choses à faire. On peut voir Granny à travers les murs. On peut spawner plein de personnages, les faire danser. Complètement dingue. Plein de bêtises avec ce mode. On va casser le jeu. Il y a même le van de Rod de Ice Cream qui est dedans avec la musique et tout. Ah, on va essayer de faire le max de bêtises possible avec ce mode. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'oubliez pas exploser les likes, ça fait super plaisir. Cliquez sur j'aime, également abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la Max Family, c'est gratuit, ça fait plaisir, merci à vous. Et on va commencer à jouer, j'ai quelque chose à vous montrer. Yeah, quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un vinyle de ma collection que je viens de recevoir. Je l'ai acheté, je vous en parle parce que bah déjà, Grégory Le Marchal, quoi, c'est un classique, j'adore. C'est une compilation qui s'appelle Pourquoi je vis. C'est une compilation avec tous ces grands tubes, hein, donc qui a écrit l'histoire, Accord perdu, vraiment toutes les chansons qu'on connaît de lui et même des reprises qu'il avait faites lors du prime de la Starac, etc. C'est un double vinyle, donc il y en a deux, c'est officiel, c'est fait par Universal et tout, mais je vous le dis parce que je l'ai trouvé à un prix vraiment, il est pas cher. C'est un double vinyle que j'ai vu à 12 euros à peu près, bon avec les frais de port, etc. Je l'ai vu sur le site de Leclerc, mais je sais qu'il est disponible un peu partout. Alors des fois il est pas en stock, etc. C'est pour ça que je l'ai pris sur Leclerc parce qu'il était en stock, mais voilà, moi j'avais aucune chanson de Grégory Le Marchal en vinyle, et bien l'erreur est réparée parce que vraiment c'est un artiste vraiment incontournable, avec une voix incroyable, et donc bah j'adore. J'ai hâte de rentrer chez moi pour écouter ce double vinyle avec toutes les chansons qu'on aime. Dites-moi laquelle vous préférez de lui. Moi je crois que c'est Écrit l'histoire, vraiment j'adore la mélodie et tout. Je l'ai pas encore ouvert parce que je vais le laisser comme ça pour le transport, mais ce sont deux vinyles simples noirs, il n'y a pas d'édition collector limitée, rien du tout, mais pour le prix je trouve que c'est vraiment bien. Je ne connais pas la qualité du pressage de l'audio, etc. Mais voilà, si vous voulez un best-of de Grégory Le Marchal en vinyle, je vous conseille Pourquoi je vis, qui est disponible maintenant un peu partout. Et maintenant, back to the video. Et maintenant il est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. C'était la vidéo Granny où je faisais du Granny Roblox en multijoueur, c'était génial. Le premier commentaire vient de Florent 650 qui me dit joyeux Noël Max, et si tu te demandais pourquoi le temps filait beaucoup plus vite à 27 minutes 47, c'est car l'une des sorties a été ouverte et donc tu aurais pu t'échapper. Je te souhaite de passer un joyeux temps des fêtes, merci beaucoup, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et oui, je n'avais pas fait gaffe que le chrono allait plus vite. Et ça, alors il y a deux explications il me semble, hein, quand le chrono va deux fois plus vite. Soit c'est parce qu'il n'y a plus Granny, parce que comme ça bah, c'est plus facile, donc il te coupe le chrono en deux. Soit effectivement quelqu'un est sorti. Je crois que c'est parce que Granny n'était plus là, mais peut-être que la sortie était ouverte et que j'ai pas fait gaffe et que je me suis fait avoir. Le deuxième commentaire vient de Isabelle Jean 9961 qui me dit salut Max, je voulais te demander si tu pouvais refaire du Five Nights at Freddy's car j'aime beaucoup ce jeu. En tout cas, joyeux Noël à toi et joyeux Noël à tous. Merci pour tes vœux. Je vous souhaite également de très belles fêtes et une belle année qui commence. Et pourquoi pas refaire du Five Nights, mais je pense que Nadège Candle, mon ami qui a sa chaîne YouTube Nadège Candle, allez la voir, elle va peut-être refaire du Five Nights. Je dis ça, je dis rien, mais je dis ça quand même. Et le troisième commentaire vient de Anjafrui qui me dit salut Max, tu peux continuer tes vidéos sur Skibidi Toilette, comment tu as fait pour avoir les VIP sur Ice Cream 8 Final Chapter. Merci pour ton commentaire. Oui oui, on va continuer les Skibidi Toilette. Bah moi j'attends hein, qu'il y ait plusieurs épisodes qui soient sortis pour faire une vidéo un peu compilation. Et pour avoir le VIP Ice Cream 8, eh bien c'est tout simplement une version qui m'a été transmise par Keplerians, les développeurs du jeu, indirectement, hein, puisque je suis en contact avec eux depuis quelques années maintenant, vu que je fais leur jeu et qu'ils apprécient mes vidéos. Donc bah voilà, ils sont très sympas, à chaque fois ils me fournissent le jeu en avance pour que je tourne les vidéos, et il y a des versions spéciales, il y a même des easter eggs et tout, donc voilà, c'est pas des versions grand public, malheureusement c'est des versions pour les youtubeurs, mais vous avez plein de bonus quand même dans le jeu, si vous le terminez en mode norme ou difficile, il me semble, vous pouvez débloquer les skins du jeu, etc. Donc voilà, allez-y, je vois Stream, il est vraiment génial. Merci pour tous vos commentaires, allez-y, n'hésitez pas, mettez des petits messages, ça me fait super plaisir parce que moi je les lis tous et ça me va droit au cœur. Et maintenant, générique. Ça y est, on va lancer Granny dans une version très spéciale. C'était fait par Cyberhacker. Et bah, on y va, suivez-moi, let's go! Nous voici dans l'écran de Granny. Pour l'instant, ça paye pas de mine. Mais regardez, hop, il y a un petit mode menu qui est ici. Oh, bonjour Teddy. Alors, on peut faire le piège, bien sûr. On fait play. On va jouer en mode normal. Je vais tout de suite me mettre en mode invincible. Regardez, le mode invincible est activé ici. Enfin, pour l'instant, il faut d'abord que je me réveille. Voilà. Et maintenant, je peux activer ou pas le mode invincible. Je l'active. Le mode no clip est également déjà activé, donc je peux d'ores et déjà traverser les murs. Alors, j'adore ce mode. Il est super bien fait. Il y a beaucoup d'options, vous allez voir. Une des options qu'on va faire, c'est d'aller dans les ennemis, de choisir Granny, et on met le mode espionnage, regardez.
comme ça il y a un cube autour d'elle et on la voit. Et aussi le mode, alors là elle a changé de tête, regardez, ouh là 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 là. Vous voyez, là elle est normale et là, elle est un petit peu, on dirait... Bon, chelou, chelou. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour changer la couleur du cadre. Ok, on va le laisser rouge, il n'y a pas de souci. Donc là, ça nous permet, par exemple, hop, je m'en vais. Eh bien, je la vois toujours à travers. Ceci dit, on peut enlever... Non, on va pas enlever le cadre, parce que regardez. Là, on voit où est Granny. Ah bah là, on voit même... Oh, il y a quoi? Help. Mais oui, le petit message help, pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit message au-dessus de la maison qu'on ne peut pas voir en faisant le jeu normal, hein. Il faut absolument le mode pour voler, quoi. Voilà. Alors, Granny me cherche toujours? Non, elle ne me cherche plus. Mais on la voit, hein. Regardez. Je vais peut-être enlever le mode... ça. Est-ce que ça suffit? On la voit ici. Bon, il faut qu'on soit relativement proche. Mais je trouve que le cadre, après, c'est un petit peu gênant. Bon, écoutez, hop, bonjour. Elle va me chercher. Elle a dû me voir spawner par le sol, comme ça, en mode, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a lui qui est là. Bon, je vais enlever le mode no clip. Pour ceci, je retourne ici, j'enlève ici. Moi, je peux changer ma taille. Regardez, je suis très grand ou je suis très petit. Si je suis très petit, je suis vraiment très petit, parce que regardez. Ok, j'ai le teddy. Oula, ah oui, je pense que j'ai énervé Granny. Regardez, parce que j'ai le teddy. Bah oui. Eh bah oui, j'ai le teddy. Attendez, si j'enlève le monoclip, je suis petit comment? Ah, je suis tellement petit que je flotte dans les airs. Oui, bon, attends, je te laisse ça. Oula! Qu'est-ce qui s'est... Ah oui, j'ai enlevé la gravité. Du coup, ben, ils font n'importe quoi. Attendez, je vais remettre ma taille normale, hein, parce que sinon... ok. Comment on met la taille normale? Je suis en monoclip toujours? Attendez, j'enlève... Je remets... Non, oui! Voilà, c'est bon, j'ai la bonne taille. Bonjour, au revoir. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut spawner des objets, bien sûr, bien sûr. Donc, on va spawner dans les objets. Pourquoi pas le shotgun? Ploup, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une porte. Pourquoi il m'a spawné une porte? Mais qu'est-ce que... J'ai demandé le shotgun! Qu'est-ce que c'est? Attendez. Mais pourquoi il me spawn une porte à la place du shotgun? C'est quand même chelou. Regardez, il me spawn des portes. Et puis en plus, ça me bloque, je peux pas passer. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, on va aller voir. Je vais respawner, par exemple. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut spawner? C'est quoi, cube objet? Bon, on a fait déjà planter le jeu une première fois. Je vais me mettre en mode invincible. Je vais téléporter. On va voir si ça fonctionne cette fois, le shotgun. Ici? Oui! Je retourne au menu principal. Je mets les munitions illimitées. J'ai le shotgun. Et puis je peux... Voilà. Bonne nuit, Granny. Oh non, j'ai oublié le mode gravité. Attendez. Gravité, comment on fait? Physics. Je choisis l'ennemi. Ah, il faut que je choisisse un ennemi. Alors attendez, je vais dans les ennemis. Je choisis l'ennemi Granny. Je retourne au menu. Je choisis Physics. L'ennemi... Et je mets gravité on, off. Voilà, je lui ai enlevé la gravité. Alors, je sais pas si du coup elle va voler. Parce que là, elle fait dodo. Oh, pauvre Granny, elle disparaît, regardez. Wouhou, c'est rigolo, je peux tout faire tomber. Oh, je peux tirer à l'infini. Bon, ça fait un petit peu de chaos. Tout est chaos à côté, mais ça marche, hein, regardez. Hop. Oula, j'ai fait exploser l'essence. Ah bah oui. Là, si vous tirez sur une bouteille d'essence, ça explose, hein, c'est normal. Hein. Bon, attendez, je crois qu'il est temps de faire spawner quelques petits ennemis rigolos. Hein, quelques petits ennemis rigolos. Donc, on va dans le menu des ennemis. Non, on va dans le menu, je crois, des NPCs. Et là, on peut choisir, je sais pas, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est quoi RPG? Qu'est-ce que j'ai... What? J'ai spawné un lance-missile? Pourquoi faire? C'est bizarre, non? Pourquoi on a spawné un lance-missile? C'est pas un personnage, ce truc! Bon, attendez, on va spawner quelqu'un d'autre. Evil Nun, bonjour! Où elle est? Oh, Evil Nun, bonjour! Alors, elle est là. Elle est là, elle est dans le jeu. Alors, elle est transparente. Hein. On peut passer à travers elle, elle dit rien. Et on peut pas les tirer dessus non plus, elle bouge pas, elle fait rien. Elle est juste là, avec ses magnifiques dents. Ça fait plaisir. Evil Nun dans la maison de Granny, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Alors attendez, je vais remove all, use for all, voilà. Je vais plutôt les placer ici, les personnages, hein. Je vais les placer ici. Donc, on va spawner Evil Nun, plouf. Voilà, bonjour mademoiselle. On va spawner, pourquoi pas, on a qui d'autre? Ladybug, pouf. Eh oui,
Mais oui, Ladybug et Evil Nun, le mélange qui fait pas de sens, pourquoi pas. On va spawner ici, qu'est-ce qu'on va spawner? Rodvan, non, une Granny? Qu'est-ce que... Oh oui, c'est sympathique! Bonjour. Je vais remover Granny, je l'ai mal placée. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est là, mais qu'est-ce qu'elle... Elle fait du moonwalk en l'air en me regardant. Ça... Oh là, je l'ai débloqué. Ouais, d'accord. Ouh là là là, elle me regarde, hein. Elle est chelou, qu'est-ce qu'elle... Ouh, oui, oui. Youhou, Granny! J'ai pas tout compris à son... D'accord. Je vais respawner une petite Granny, là, hein. Voilà, regardez le trio. C'est Totally Spice, mais en version psychopathe, hein. Waouh. Salut. Ça va? Je peux rien leur faire. Bah non. Bah bien sûr. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est très rigolo. Regardez. Il y a un autre menu de personnages. C'est les dancers. Et je peux spawner une Evil Nun qui va danser. Mais oui, oui, oui. Donc, je me mets là, je la spawn. Et là, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Bonne nuit. Oh, waouh, elle est tombée en arrière. Tu vas. Et donc là, j'ai Evil Nun. Et je peux lui faire une danse. Idle, elle bouge pas. Mais Chicken Dance, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas des reins en faisant Evil Nun. C'est génial. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Hockey Pocket Dance. Qu'est-ce que... D'accord. Je mets le pied devant. Je mets le pied derrière. Je vais... Qu'est-ce qu'elle fait? Wouh! Allez, donne tout ce que t'as. La rumba. Une petite rumba. Pardon, mais c'est quoi ce style? Vous avez déjà vu Evil Nun faire la rumba? Je fais la rumba. La samba. Wouh! Samba de Janeiro. Regardez, elle s'éclate. Hein. Ça fait plaisir de voir Evil Nun comme ça après tout. Hein. Elle est détendue. Elle est détendue de la caboche. Ça fait plaisir. Et le twerk. Oh non. Oh non. Elle twerk. Evil Nun. Evil Nun, un peu de dignité. Evil... Oh. Pardon, mais c'est trop drôle. Granny? Est-ce que vous voulez voir Granny twerker avec Evil Nun? J'ai entendu un grand oui venant d'ici. Donc, hop, voilà, c'est parti. Regardez. Allez, hop. Elles sont là toutes les deux. Elles font du twerk. Granny et Evil Nun qui twerk. Excusez-moi, mais avec sa bouche grande ouverte, là, à faire du twerk et elle... Non, mais... Pardon, mesdames, un peu de tenue, mesdames, s'il vous plaît, regardez. Wouh, allez, donne tout ce que t'as. C'est n'importe quoi, ce mode. C'est n'importe quoi. Et puis, il y a l'autre en haut qui fait pas du tout la fête. Elle fait plutôt la tête. Est-ce que je peux spawner un troisième personnage dansant, bien sûr? Ladybug. Allez, et toi aussi, tu vas twerker. Il y a pas de raison. Allez, oui. Wouh, le trio dansant. C'est n'importe quoi. Ça fait pas de sens du tout. C'est très très drôle. Très très drôle. Qu'est-ce qu'on peut spawner d'autre? Regardez dans le menu des personnages, on peut spawner le van de Rod. Oula. Il m'a envoyé en l'air. Tiens, toi tu vas. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a été super vite? Qu'est-ce qui... Ok, fais dodo. Pourquoi il y a la musique de... Eh ben oui, il y a le Rod. Le van de Rod, regardez. Je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Alors, est-ce qu'il a quelque chose à l'intérieur? Pour ceci, il faut utiliser le mode noclip et aller à l'intérieur. Oh, il y a même l'intérieur du van. Je suis choqué. Franchement, je m'attendais pas à ce que le van soit aussi détaillé. Hein. Par contre, il a l'air mal placé là. Oula, 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 oula. Il bug. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va le spawner dehors plutôt? Oui, on va le spawner dehors. Donc, ennemi. Non, c'est pas dans le mode ennemi, c'est dans le mode... Mince. NPCs. Je vais le remover, hein. Voilà, en plus il y a la musique, merci. Lui, il est fait pour être dehors, donc je vais le mettre dehors, juste ici. Et je vais spawner le... Oula! Oupsie! Sorry! Il roule? D'accord, alors attendez, c'est bon. Je vais le placer plutôt sur le... Là. Ici. Allez, on place le van ici, c'est parti. Oula, oula. Oui! Super! Très mignon. Je peux le pousser? Ah ouais! Oh, au revoir le van! Le pauvre! Ok. À jamais. Adieu. Bon, bah écoutez, on a spawné le van, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce menu? Ce menu, il est custom skins? What? Qu'est-ce que c'est? Granny?
peut changer le skin de Granny. Ah non, mais alors ça, mais ce mode est d'une folie folle. Alors d'abord, il faut trouver Granny. Granny! Youhou! Alors, faut... Bah où elle est? Elle fait encore dodo? Ça fait 1 minute 30 là, Granny, tu t'es réveillée. Granny! Alors attendez, ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'on peut retourner au menu, choisir l'ennemi et la voir. Bah oui, elle est là-bas, regardez. Ok, c'est bon. Alors, t'es là? T'es là. Oula, oula, qu'est-ce qu'elle fait? Granny, tu te calmes tout de suite, hein. Complètement hystérique celle-ci. On va aller dans le Custom Skins et on va choisir de mettre par exemple Army. Oh, alors attendez. Ouf. Elle est complètement. Pardon, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vais enlever le. Pourquoi elle glisse comme ça? C'est trop drôle, j'en peux plus. Attendez, là c'est en mode armé. Baldi. Oh waouh! Mais on peut faire vraiment des vidéos à chaque fois. Regardez, je vais faire une vidéo avec Baldi. Body? C'est quoi Body? Oh non! Non! Ah, c'est boxeur, d'accord. J'ai eu très peur quand même. Hein. Je vais enlever Chica. Oh, le mode Chica. Très mignon. Cyber. Oh, ok, c'est le mode Anonymous un peu. Freezed. C'est le mode quand elle est toute bleue, quand elle s'est pris le mode, le truc comme ça. Granimum. Oh, ah non, c'est Venom, d'accord. Granom, ok. Iron, c'est Iron Man. Cosmo. Granny est une cosmonaute. Waouh. Med, c'est... Oh, d'accord, l'infirmière de luxe, pas de problème. Mignon. Oh. Ah, ça, j'adore. Tout jaune et tout, c'est super bien. Momo. Ah non, là, c'est flippant. Là, c'est flippant. Monsieur Mythe. Super bien fait, j'adore. Ninja Turtle, c'est une tortue ninja. Rod, bah, c'est Rod de Ice Cream. Et Sponge, c'est Bob l'éponge. On va laisser Mr. Meat. Ouais. Ou Cosmonaute. Pas Mr. Meat, c'est rigolo. Voilà, je peux choisir aussi. Quoi? Spider? Ah, alors attendez. On va aller voir l'araignée. On va aller voir l'araignée. Elle est où l'araignée? Elle est encore en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Attends. Non? Pourquoi je peux pas changer? Y'a que... D'accord. Bon, c'est pas grave. Et on va aller voir le corbeau. Le corbeau, il est dans la maison d'Angèle. Alors elles sont toujours en train de twerker, hein. Ne faites pas attention à elles. Elles font leurs intéressantes. On va aller voir... Qu'est-ce que... Alors elle glisse. Mr. Meat, il est en train... Y'a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Alors attendez, on va enlever ça. On va aller dans le mode Custom Screens et on va choisir le corbeau. Et lui... Non, ça change rien. Bon, écoutez, pour le corbeau, c'est pas grave, ça change rien. On va retourner au menu, on va... C'est quoi, Realia? C'est quoi? Granny ennemi? Ah, je peux spawner des... Je peux spawner des vrais personnages? Oh! Je peux spawner des vrais Granny qui vont se balader? Et... Mais qu'est-ce... Et je comprends... Que je peux shooter ou pas? Bah non. Mais elles me suivent ou pas? Est-ce qu'elles vont me suivre? C'est ça la question. Ah ouais! Ce sont des vrais Granny qui peuvent me suivre et tout. Qu'est-ce que... C'était quoi ça? Oui. Hop! Elle s'est pris la porte. Pardon, Granny. Je l'ai pas respecté. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce menu? Il est vraiment très très fou. Oh, what? Attends. Elle peut avoir des comportements différents? Comportement, bah ouais. On va voir. Qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu me suis. Granny, ah, si je fais le 3, ça fait quoi? Est-ce qu'elles ont le même comportement? Bah ouais. Donc je comprends pas. Je comprends pas ce menu, c'est pas grave. Ensuite, planes. On peut acheter des avions? Ok. Bon, c'est pas grave. Des voitures? Rod van. Ouah! What? Je peux... Mais non. Je peux conduire le van. Mais c'est une blague. Attendez. Mince, comment je... Mais du coup, comment je... Au secours, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? What? Fou! Attendez. C'est parce que je suis en mode... C'est parce que je suis en mode noclip, attendez. Je vais enlever le mode noclip. Je comprends rien. Attendez, j'ai fait n'importe quoi encore. Véhicule, je vais spawner, destroy. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle me veut, elle?
Il y a des mini Granny qui se baladent dans la maison. Tout va bien, tout va bien. Bon, je vais spawner quand même une petite voiture. Ok, je vais l'allumer. Et là, je peux la conduire. Alors, attendez. Si je peux la conduire, est-ce que je peux mettre la caméra libre? Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu. Voilà. Donc, on conduit. C'est parti. Est-ce que je passe les portes? Ah, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de conduire un van de road devant Granny Evinon et Ladybug qui dansent un twerk. Autant vous dire qu'il n'y a rien qui va. Hein. Voilà, j'ai passé la porte. Ok. Il faut que je passe celle-ci maintenant. C'est pas évident à conduire, hein, mais je vais prendre le coup de main. Alors, hop. Hop. Elles sont toujours en train de faire du twerk. Allez, passe. Oh. Allez, oui. Force un peu. Force à toi. Allez, coucou, oui. Bon, c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est pas évident parce que ah, c'est un petit peu gros pour repasser les portes. Ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas un mode pour changer la taille? Bien sûr que oui. Il y a tout dans ce mode. Ah, c'est beaucoup plus facile à conduire. Oui, oh là. J'ai glissé. Bon, bah c'est pas grave, hein. Voilà, je... Les habilités. Ennemi killer. Object destroyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais détruire. Je vais spawner. What? Je suis où, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait n'importe quoi. Je vais revenir dans le salon. Voilà. Je vais enlever le mode noclip. Je vais spawner une voiture. Oups. Comment elle a volé? Je vais choisir ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. J'enlève la musique. Voilà. Et c'est parti, on conduit. Alors, est-ce que je peux détruire les objets? Oui, peut-être, mais attendez. Ok. Comment on détruit les objets? Ah, shoot, peut-être. Oh, ah, je détruis. J'ai détruit les murs. Ah, j'ai détruit les murs. Ah, d'accord. Je comprends pas ce qui se passe, mais je ne vois plus les murs. Oh là là, j'ai tout cassé le jeu. Oupsie. Destroy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai cassé votre maison, je crois. Il n'y a plus rien qui va. Est-ce que je peux changer le ciel, tiens, pendant qu'on y est? Attendez, on va aller voir. Custom Guns. What? RPG. What? Je peux l'utiliser, lui? Non, je peux pas. Ça fait rien. Ok. Play as... What? Evil Nun? What? Je suis Evil Nun? Mais je peux... Je peux donner des coups de poing. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Pourquoi elles courent comme ça? Aïe! Ouai! Moi aussi, je veux twerker, oui! N'importe quoi. Tiens, prends-toi ça. Prends-toi ça. Attendez, il faut que je trouve Granny. Mais il n'y a plus de mur! J'ai tout cassé! Oh! Non! Ok. Ah, mais attendez, je suis dans les égouts, j'avais oublié qu'il y avait des égouts. Elle est où? Elle est là. Bonjour, je peux te frapper? Mais pourquoi je suis dans le sous-sol? Pourquoi je suis dans le sol? Il n'y a rien qui va. Il faut que... Qu'est-ce qui se passe? Il y a Evil Nun qui fait Superman. Tout, 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 tout. C'est génial. C'est incroyable. On peut faire tellement de choses avec ce mode. C'est l'imagination. Il y a que vos limites en fait. Après, vous mettez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. N'importe quoi. Il y a qui d'autre? Attendez. Play as. Ah, le ciel. Attendez. J'ai vu le ciel. Oui. On peut changer. Minecraft? What? Mais maintenant, c'est Minecraft. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a Evil Nun qui fait Superman avec dans le Minecraft, dans Granny, avec les autres qui font du twerk. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans ce jeu. Allez, vous m'avez perdu là. Vous m'avez perdu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Et pourquoi Evil, Granny, la vraie Granny, elle est où la vraie? Elle est là. Non, ça c'est la fausse. Bah oui, Granny Mr. Meat. Attendez, il faut que je trouve Granny. Ennemi, Granny, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est coincée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que...
Ok, d'accord. Alors moi, je vais arrêter de voler. Attendez. Calme-toi. Au secours! Attendez. Back to menu. No clip. Mince. Je suis où? Ah oui, d'accord. Je suis là. Est-ce que je peux frapper Granny? Attendez. Oh! J'ai frappé Granny, Evil. Mr. Meat avec Evil Nun, ça fait. Oula, je le marche dessus. Qu'est-ce qui se passe? Non! Ah, c'est de la folie. Je vais enlever le play as. Je vais jouer avec moi-même. Hein. Undo. Voilà. Donc je suis redevenu moi-même. Tout va bien. Je vais enlever le cadre parce que. Voilà. Tout simplement. Ploup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le menu? Ah, je peux créer des clones. Qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord, je peux créer des clones. J'ai créé un clone de Granny. Donc maintenant, il y a deux Granny. Mais qui sont des vrais Granny, hein. Tout va bien. Voilà. Enemy replacement. Quoi? Je peux... Attendez. On peut remplacer les... Mais il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire dans ce mode de folie. Donc je peux changer le Crow en Evil Nun. What? Il y a Evil Nun à la place du corbeau, j'en peux plus. Il y a Evil Nun qui me mord. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette étagère? Attendez, je remplace le Crow par Ladybug. Je comprends rien. Granny, Miss Mom Spiderhead par Evil Nun. Oh, alors attendez, on va dans les égouts, on va les voir, on va remplacer Spider-Mom. Bon, je vais voler, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, on retourne dans les égouts. Ici, voilà, j'enlève le mode noclip. Et je remplace Spider... voilà, je l'ai remplacé. Donc normalement, maintenant, à la place de Spider-Mom, on a Evil Nun. Encore faut-il que je trouve l'araignée. L'araignée, où es-tu? Où es-tu? Je crois que j'ai perdu Spider-Mom. Je sais pas ce qui... Oh, elle est là. Youhou! Ah, mais elle est coincée. Ah bah non. Il y a Evil Nun à la place de l'araignée. Iiii! Ça fait trop peur. Arrête! Iiii! Bon, attendez, hein. On va aller dans le menu des ennemis. Ok. Mom Spiderhead. Alors, déjà ta taille, on va te diminuer un peu parce que, tu vois, t'es un petit peu trop grande. Voilà, là, c'est bien. Et ensuite... Ok, je t'arrête tout de suite, Spider-Mom Evil Nun là, mais je vais te... Oh, et tombe en arrière, voilà, super, enemy is dead, super, bon bah, oh, what? Ok, je peux créer un clone, non, il y a deux araignées maintenant, iou, ok, oh, elle devient transparente. Il y a trop de choses à faire dans ce mode. C'est incroyable. On va se terminer la vidéo avec un twerk géant avec plein de personnages. Je vais enlever le mode noclip. Je vais mettre une armée d'Evil Nun qui vont faire le twerk. Ok? Vous êtes prêts? Pas moi. Donc, je vais dans le menu. Je vais dans les... Je sais même plus où c'est. Attendez. C'est dans... Bah c'est les ennemis je crois. Non? C'est pas dans les ennemis. C'est où? C'est pas dans les objets. C'est pas dans player. Je sais plus où est-ce qu'on fait téléporte. Non? Il y a trop de choses. NPCs, ok c'est là. Et donc le dancer. Je vais spawner plusieurs Evil Nun. Voilà, je vais faire comme une classe de sport. Plein d'Evil Nun. Comme ça. Et elles vont toutes faire le twerk. Est-ce que... Waouh. Est-ce que vous êtes prêts à voir la danse? C'est parti. Oh waouh. Un twerk géant d'Evil Nun. C'est de la folie, hein. C'est de la folie pure. En plus, il y a la musique qui va pas du tout avec. Parce qu'il y a la musique du... Non mais, regardez-moi ça. Ça fait pas de sens. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ridicule. J'en peux plus.
Bon, il y a trop de choses à faire avec ce mod, on fera une autre vidéo avec, c'est sûr. Et voilà qui termine ce mod de folie sur Granny, c'est mon mod préféré parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de menus, il est simple d'utilisation, il fonctionne très bien, il a pas bugué, donc vraiment génial, Cyberhacker, bravo, bravo. Dites-moi dans les commentaires les petites bêtises que vous voulez qu'on fasse avec ce mod, maintenant que vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, hein, exploser le compteur des likes, abonnez-vous à la chaîne et avant de partir, regardez une autre vidéo des délires de Max. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures, bye!